8 Airbnb tips pour vos locations courte durée 2021, c'est l'objet de cette vidéo et on va en parler aujourd'hui. Comme tu le sais, juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner à cette chaîne. Tu vas voir, tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te livre des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle eh bien, d'immobilier, de location courte durée, on parle aussi de sous-location professionnelle immobilière, de business autour de tout ce qui est conciergerie automatisée et puis également d'investissement locatif, bien évidemment, puisque ça fait partie des projets qu'on peut avoir quand on fait de l'immobilier. L'immobilier qui fait partie des piliers de l'enrichissement comme l'entrepreneuriat ou comme aussi tout ce qui est marché boursier. Et on parlera un petit peu de tout ça un peu plus tard sur cette chaîne YouTube. Tu découvriras ça au fur et à mesure. C'est pour ça, abonne-toi bien à cette chaîne. Donc aujourd'hui, eh bien, on va voir les 8 Airbnb tips pour vos locations en 2021. C'est quand même pas mal de choses qui ont changé suite au Covid, suite aux différentes crises, etc. Donc on va commencer eh bien, par la première, mais reste bien jusqu'à la fin, car le 7e tip, tu verras, il y aura vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu comprennes bien et tu verras que le 7e tip, il va vraiment t'être utile pour tes locations. Donc le premier tip, eh bien, c'est redonnons de l'humain. Et d'ailleurs, même si j'ai envie de dire cette vidéo, si j'aurais pu finalement mettre un titre à cette vidéo, ça aurait été redonnons de l'humain un petit peu à nos locations en courte durée. Tu le sais, on parle beaucoup d'automatisation, c'est hyper important. Bah, si comme moi, tu commences à avoir une trentaine d'appartements ou 40 appartements en gestion, ça commence à être compliqué derrière à gérer si à un moment donné, tu dois répondre systématiquement à chaque client. Je le sais très bien tout ça, mais redonnons de l'humain. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, tu as tous tes messages automatisés qui vont se lancer, on le sait, les messages du check-in, du check-out, avant la confirmation de réservation, à la sortie du voyageur, tout ça, on le sait très bien. Mais à mon sens, n'hésite pas à redonner un petit peu de côté humain à tout ça. C'est-à-dire que par exemple, un truc tout bête que tu peux faire, c'est tout simplement faire un petit message en mettant eh bien, bonjour, si par exemple, je ne sais pas, c'est Thomas, bah, bonjour Thomas. Merci pour votre réservation. Je vous enverrai eh bien, dans les prochains jours un message avec toutes les instructions par rapport à votre réservation. Mais tu vois, des petits messages comme ça. Alors certes, celui-ci peut être automatisé, mais à mon sens, pendant la durée du séjour, n'hésite pas à de temps en temps envoyer des petits messages à tes clients. Au-delà, en plus, j'ai envie de te dire, des messages, par exemple, de confirmation de réservation. C'est-à-dire que par exemple, tu peux très bien être Thomas, c'est bon, c'est bien reçu le message, tout est OK pour vous. Des petites choses comme ça. Alors, je sais que ça nécessite une action humaine. On peut semi-l'automatiser, ça, c'est-à-dire qu'on a moyen quand même de… Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que nos messages de confirmation sont des messages très formels. Bonjour, votre date d'arrivée est temps, le check-in, c'est ça, l'adresse, c'est ça, les règles à respecter, c'est ça, et là, poum, 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 poum. Et c'est très finalement, c'est très automatisé, bien évidemment, parce que le but, c'est que nous, on n'y passe pas tout notre temps, mais essaie de redonner un petit peu d'humanité là-dedans parce que c'est hyper important. Et si tu veux faire justement la différence avec tes petits camarades qui font la même chose que toi, eh bien, donne ce petit côté-là parce que le voyageur va apprécier. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on décèle des besoins qu'ont les voyageurs. C'est-à-dire qu'il arrive très fréquemment que des voyageurs ont besoin de revenir dans le logement. Et s'ils sentent qu'il y a un feeling, qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux, entre toi et le voyageur, ça peut déclencher derrière autre chose, d'autres réservations, peut-être même une fidélisation que tu vas avoir sur ton ou tes logements. Donc ça, il faut essayer d'arriver à rétablir un petit peu sans non plus, je le sais parce que moi le premier, mais parfois je me suis aperçu de regarder des messages qui ont été changés. En fait, il y a eu nos messages. Le client n'a jamais répondu, il est venu, on n'en a jamais entendu parler. Alors tu vas me dire, c'est top, c'est génial. Ouais, mais derrière, il ne va pas forcément te laisser d'avis. Ou alors, il va te laisser un avis genre appartement OK. Enfin, tu vois, il n'y aura pas vraiment le petit truc qui fait que derrière, tu as envie d'y retourner, quoi, tu vois. Et ça, ça manque. Et donc, il faut arriver à placer ce côté personnel, finalement, personnalisé, sans non plus y passer tout notre temps non plus, bien évidemment. Le deuxième tips, la deuxième chose que je veux dire, c'est essaie d'apporter une petite touche personnalisée dans ton logement, une petite touche complémentaire pour surprendre ton voyageur. Parce que on a les standards, on les connaît tous, les standards, le shampoing, le savon, le machin, le truc, tout ça, on le sait très bien, le linge, etc. Tout ça, on le sait, bien évidemment. Mais
à mon sens, essaie de créer la surprise. C'est-à-dire que quand le voyageur il arrive, moi je vois, au moment où je te tourne cette vidéo, j'ai loué un Airbnb, j'ai été surpris, j'allais de surprise en surprise. C'est-à-dire que je m'attendais à un appartement classique, standard, et en fait, il y avait plein de petites choses, si tu veux, qui ont été rajoutées dans le logement, qui ont fait que j'ai été surpris, mais agréablement surpris, parce que je me dis, ah ouais, ils ont pensé à ça, ah ouais, il y a ça, tu ouvres le réfrigérateur, et on y vient justement, tu ouvres le réfrigérateur, tu as des bouteilles de coca, tu as des bouteilles d'eau, tu as, par exemple, tu as des petits snacks, tu vois, tu as des petites choses comme ça qui ne coûtent pas très cher, mais qui font que quand tu arrives, c'est vrai que ça donne une bonne expérience à ton client. Donc, essaie effectivement de mettre des petites bouteilles d'eau. Pourquoi pas une petite bouteille de vin, on en trouve aujourd'hui à moins de 5 euros. Ça ne sera pas un très grand vin. Ça peut être un vin local aussi. Ça peut être aussi peut-être par exemple des petits sachets de café un peu différents ou peut-être quelques petits produits locaux. Essaie de trouver quelqu'un dans ta ville qui produit des petites choses un petit peu locales. Et puis, bien entendu, il faut automatiser tout ça. Il faut mettre ça dans les sacs de ton personnel de nettoyage. Bien évidemment, il faut automatiser tout ça. Mais parce que bien entendu, on est dans un esprit business, nous, mais justement, et on y viendra. Faut pas uniquement faire ressentir ce côté business, sinon ton voyageur, tu vois, c'est impersonnel et on va y venir après. C'est pour ça que je ne rentre pas trop dans le détail par rapport à ça. Donc du coup, essaie de trouver des petites touches personnelles, des petites touches locales qui ne vont pas te nécessiter une grosse charge de travail, pas non plus une grosse somme d'argent, mais qui derrière vont créer le petit effet surprise pour ton client, un petit peu l'effet waouh quand il va arriver dans ton logement. Le tips numéro 3, c'est sois généreux. Sois généreux. Ne sois pas là à compter systématiquement. Ils sont 3 voyageurs, je mets 3 serviettes de toilette. Ils sont 2 voyageurs, je mets qu'un lit. Essaie de préparer tous les lits, même si je sais que parfois il y a de l'abus. Je le sais très bien, moi le premier, je suis confronté par rapport à ça. Mais essaie de mettre effectivement, toutes les. Sois généreux tout simplement. Mets quand même les serviettes de toilette. Voilà, si par exemple le logement accueille 4 voyageurs, tu mets tes 4 serviettes de toilette. C'est parce qu'ils ont réservé que pour 2 ou pour 3, il faut mettre que 2 ou pour 3. C'est pas très grave finalement, même si tu nettoies d'autres serviettes de toilette. C'est pareil s'ils ont une demande particulière. Si peut-être, je ne sais pas, ils sont 2 et finalement il y en a un qui veut utiliser le canapé, essaie éventuellement de revenir avec ou préparer des sets de linge peut-être dans une boîte fermée à clé. Tu leur dis, vous tapez tel code, ça vous permettrait. Il faut. Alors après, attention, parce qu'il y a aussi son lot d'abus, je le sais. Et en ce moment, en plus, pendant cette période de Covid, on est confronté, et pendant cette période de crise, à beaucoup d'abus, à mon sens, beaucoup, beaucoup. Mais essayons de redonner un petit peu du sens à tout ça. Essayons de redonner un peu d'humanité, un peu de générosité, parce qu'au bout d'un moment, on se détache de plus en plus de nos clients et au final, on se retrouve à finalement avoir un business, mais on ne connaît même plus nos clients, quoi. Et si à un moment donné, on veut pouvoir les capter peut-être pour autre chose, il va falloir créer cette communication. Je suis navré, mais on va être obligé de créer une communication. Et l'automatisation, c'est très bien. Les standards, c'est très bien, bien évidemment. Mais ce qu'attendent aujourd'hui les voyageurs, c'est le petit plus. C'est le petit truc qui fait que ça crée l'effet de surprise. Tu vas te rendre disponible. Ils ont un besoin dans le logement spécifique. Tu vas le faire. Ou peut-être il va manquer un ustensile de cuisine. On va aller l'acheter, l'ustensile de cuisine, et on va leur apporter. Oui, tout ça a un coût. On est bien d'accord. Mais à un moment donné, à combien évalues-tu la bonne notation de ton client? C'est très important aujourd'hui. Donc, à mon sens, et c'était le tips numéro 3, c'est vraiment, sois le plus généreux possible. Le tips numéro 4, c'est le tips. C'est-à-dire que, comme je te disais, on essaie de redonner effectivement donc, du sens à tout ça, on essaie de recommuniquer avec nos voyageurs un petit peu plus, de manière plus personnalisée. Essaie de prévoir un petit tips, un petit truc qui fait que le voyageur il va se dire « Ah ouais, c'est cool ce qu'il me dit, il m'a donné une petite… » Ça peut être une recommandation, ça peut être un… Je sais pas, par exemple, dans ta ville, il y a un événement ou peut-être il y a, une information importante dans ta ville. Des lignes de train qui ont été supprimées ou trouver quelque chose, si tu veux, qui est donc local, un tips qui est arrivé dans ta ville, un événement, quelque chose où tu partages un bon plan. Et l'idée, c'est de lui dire, écoutez, par exemple, un bon plan que tu aurais pour toi et que tu partages avec tes amis, c'est lui livrer à lui aussi. Lui livrer ce petit tips. Parce que du coup, tu vas faire un petit message, tu vas dire, bonjour Thomas, j'espère que tout se passe bien. Je profite de ce petit message pour vous donner une petite recommandation, un petit tips. Je viens d'y penser. N'hésitez pas à aller à tel endroit ou faites attention par rapport à ça parce que j'ai appris que tac, 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 tac. Et du coup,
Ça, c'est le petit truc qui fait que le voyageur va dire « Ah putain, c'est cool, j'ai en face de moi un host qui me donne des tips en plus. » Et ça, ça crée vraiment un sentiment… tu vois, on a créé une relation vraiment beaucoup plus rapprochée finalement avec nos voyageurs. Et ça, ça va être super apprécié et le voyageur va s'en rappeler. Il va dire « Ah ouais, c'est vrai que le host, il est vraiment… il est au taquet, il répond à nos besoins. En plus, il nous donne des petits tips de temps en temps sur telle ou telle chose. » Ou par exemple, je sais pas, sur la TV, il y a un truc, tu vois, un petit truc, n'importe quoi. Tu lui dis « Bah écoutez, voilà, tiens, je vous donne le petit tips, ça peut vous aider. » Le tips numéro 5, eh bien, c'est rester un host Airbnb. Ne tombez pas dans le piège de devenir une méga compagnie ou de devenir comme un hôtel. Parce qu'on le sait, les hôtels, les grosses… Moi, personnellement, je sais que je n'aime pas fréquenter les gros hôtels. J'aime bien fréquenter les petits hôtels, les petites résidences, etc. Pourquoi ? Parce que ce que j'attends en tant que voyageur, c'est justement eh bien, cette proximité avec peut-être le chef d'établissement ou peut-être le responsable manager. Finalement, nouer une relation avec lui parce que, à mon sens, c'est super important les relations humaines. Et donc, rester un host, ce que je veux dire par là, c'est que quand le voyageur réserve dans votre appartement, il ne faut pas qu'il ait le sentiment derrière qu'il tombe dans une méga compagnie qui a 30 appartements et c'est monsieur 18 qui a réservé l'appartement 47. Enfin, il faut absolument que lui ait le sentiment qu'il soit tombé derrière chez un host, chez un propriétaire qui eh bien, va lui justement lui apporter des petites choses qu'il n'aurait pas trouvées justement ailleurs. Et ça, tu le sais, si tu as déjà voyagé, tu sais que ça, on est très friand sur de choses. Et ça, à mon sens, il faut absolument que tu arrives à le mettre en place tout simplement en étant déjà, par exemple, ta fiche profil d'Airbnb. Si par exemple, tu es une société, ça ne sert à rien de mettre ton logo de société, quoi. Sauf si tu es une conciergerie que derrière, tu gères des appartements en co-host pour des propriétaires. Là, OK, parce que l'idée, c'est de communiquer son image. Mais quand tu es le compte principal, mets ta photo de profil. Mets ta photo de profil pour que le voyageur s'identifie à toi. C'est pareil, combien je vois de profils de comptes Airbnb qui ne sont même pas remplis. Tu dois remplir et tu dois dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu partages. Pourquoi tu fais du Airbnb? Pourquoi tu aimes recevoir des voyageurs? Ça, ça doit transparaître dans ton annonce, ça doit transparaître dans ton profil et ça doit quelque part transparaître aussi dans les messages qu'on envoie à nos voyageurs. Le tips suivant, ça va être les photos. Alors, je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire les photos, oui, je sais faire des belles photos. Non. Justement, il ne faut pas qu'elles soient forcément parfaites. Pourquoi ? Parce que je vois, par exemple, j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, donc j'ai fait beaucoup d'Airbnb. Et combien de fois je me suis fait avoir ? C'est-à-dire que sur la fiche produit, j'ai des super photos hyper lumineuses. Parce qu'en fait, le fait de rendre les photos hyper lumineuses fait que ça enlève tout, ça gomme finalement toutes les imperfections qu'il y a dans le logement. Donc, tu as l'impression que le logement finalement, c'est comme si c'était un appartement dessiné, tu sais, vraiment un truc parfait, bien arrêté, bien calé, pas de tâches, rien. Et combien de fois j'ai été déçu? Combien de fois j'ai été déçu? Je pousse la porte, c'est super dark, c'est sombre donc. C'est le canapé, sur la photo, il paraissait super clair, au final, il est super sombre. Au final, tu t'attends à un appartement qui soit hyper lumineux, hyper sympa. En fait, il est très sombre, il fait même limite peur. Et ça fait un peu ghost, tu vois. Et ça, pour le coup, alors là, c'est du coup, t'es super déçu, quoi. Pour un peu, tu as des problèmes dans le logement, là, tu te dis, laisse tomber, le logement, c'est pas du tout intéressant. Donc, les photos, il faut absolument que tu fasses des photos jolies, bien évidemment, mais ça ne sert à rien de forcer non plus. Si tu as le sentiment que la photo, quand tu mets la photo et que tu mets ton logement, qu'il y a vraiment une différence, franchement, mets-toi à un moment donné à la place du voyageur. Si tu sens que la photo, elle n'est pas vraiment en adéquation avec ce qui se passe, il faut assombrir volontairement la photo pour qu'elle corresponde exactement. Parce que, OK, c'est cool, tu vas prendre des réservations, tu dis, oh ouais, l'appartement. Et je te le dis par expérience, parce que moi, le premier, j'ai réservé des appartements où je me suis dit, oh, l'appartement, il tabasse, c'est des belles photos, c'est lumineux, le canapé, le lit, etc. Mais au final, tu arrives, c'est pas ça du tout, quoi. C'est super sombre. Le canapé, il y a des taches sur le canapé. Là, bien évidemment, sur la photo, on ne les voit pas, etc., etc. C'est pareil. La photo, généralement, elle est faite lors de la création de l'annonce. Si ton annonce elle a 1, 2, 3 ans et qu'il y a des choses qui sont dans ton annonce qui ont vraiment changé radicalement, par exemple le canapé est complètement défoncé ou alors il y a des grosses taches, etc., il faut voir pour changer le canapé. Hein. Parce qu'à un moment donné, le voyageur,
Ce que déteste le voyageur, c'est avoir l'impression que quelqu'un d'autre est passé avant lui. Même si on le sait, il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant nous, bien évidemment. Mais ce qu'il déteste absolument tout, c'est ça. Ce qu'il veut être lui, c'est être le premier arrivé dans le logement. C'est comme s'il était tout neuf et que tout a été fait pour lui. Et ça, c'est important. Moi, le premier, quand je vois des tâches, des choses et tout, tu dis « ouais, il y a un tel qui est passé là ». Et du coup, tu t'imagines « ouais, il s'est passé ci, il s'est passé ça ». Et ça, ça ne donne pas une bonne expérience client. Le tips numéro 7, eh bien, et donc c'est le fameux tips que je te disais d'être bien attendu jusqu'à la fin, qui pour moi est le plus important, c'est exprimer de la gratitude. C'est-à-dire, vous devez être content que vos clients soient passés. Vous devez leur faire comprendre que vous avez vraiment apprécié leur passage. Et par exemple, le message à la fin, lorsqu'ils partent, généralement, on dit « j'étais ravi de vous recevoir », des messages automatiques encore une fois, « j'étais ravi de vous recevoir »,« j'espère que pour vous, c'en est de même, n'hésitez pas à me laisser une notation 5 étoiles », blablabla. Bon, ça, on le fait tous, on a tous nos méthodes, nos messages, etc. Mais moi, à mon sens, vu tout ce qui vient de se passer, Covid, crise, etc., tu peux justement un petit peu en jouer ça. Dire « écoutez, bonjour Thomas, sachez que j'ai vraiment été ravi de vous recevoir. Vous le savez, en ce moment, nous traversons un contexte particulier, un contexte où c'est très difficile pour chacun, très difficile financièrement, très difficile humainement, avec tout ce qu'on rencontre. Et sachez que j'ai vraiment apprécié que vous puissiez venir dans mon logement parce que au quotidien, les réservations que je prends dans ce logement sont aujourd'hui le moyen pour moi de payer tout simplement mon bien. Ma propriété, mon appartement, de payer le crédit bancaire. Concrètement, tu exprimes vraiment de la gratitude, que tu es vraiment content et que tu lui dises j'espère sincèrement que vous allez pouvoir revenir dans mon logement parce que tu as expliqué auparavant les raisons par rapport à ça. Alors, si tu l'as rencontré physiquement, en jouer, j'étais content de vous voir l'autre fois ou j'étais content de vous apporter peut-être un set de linge supplémentaire qui vous manquait. La gratitude, tout simplement. Mais le tout dernier tips, tips numéro 8, ça va être oublier les mauvais voyageurs. On a traversé une série de problèmes de nos logements, je le sais, tu le sais, on se raconte la vérité sur cette chaîne. Des fêtes, des voyageurs exigeants. Là, franchement, pendant le Covid, ça a été un peu compliqué. Ça a été vraiment, on a enchaîné les problèmes dans les logements, etc. Enfin, moi, j'en ai eu quand même pas mal que je n'avais pas auparavant. Donc forcément, nous, inconsciemment, maintenant, quand on voit un voyageur, on voit tout de suite le problème, tout de suite. On ne voit pas que le voyageur peut être dans un bon état d'esprit, constructif, arrangeant, pas du tout. Et donc, forcément, ça influence nos réponses, ça influence notre façon d'être. Et donc, ça veut dire que quand le voyageur, par exemple, va nous poser des questions, va nous réclamer quelque chose, on va tout de suite être sur le côté négatif, va dire « non, c'est prévu comme ça, c'est écrit comme ça, le check-out c'est 12 heures ». Non, essayez vraiment de faire en sorte de charmer vos voyageurs, essayez de faire en sorte qu'ils vous aiment, vos voyageurs, tout simplement. Qui vous aime, essayez de les charmer. Il veut partir un peu plus tard, écoutez, ça aurait été avec un grand plaisir, ça, vraiment. Mais sachez que là, on doit démarrer le nettoyage. Alors si c'est vrai, parce que si c'est pas vrai, franchement, c'est pas cool. Si c'est vrai, vous expliquez aux voyageurs, mais de manière gentille, constructive, positive. Ne pas se braquer, ne pas dire, sur Airbnb, c'est écrit 12 heures, donc c'est 12 heures. Non, il faut absolument mettre les formes et être charmeur, être à aimer, tout simplement, faire ressentir vous aimez, voyageurs, et partir du principe que ce n'est pas parce qu'il y a eu 10 problèmes auparavant que le 11e sera également un problème, absolument pas. Le 11e, ça se passera très certainement très très bien, et donc partez de ce principe-là, oubliez tout ce qui s'est passé. Je le sais, quand on a été confronté à une fête, on s'imagine que la fois suivante, on aura une fête. Non, je pense qu'il y a moyen de bien expliquer les choses aux voyageurs, peut-être même de les appeler s'il y a un gros doute, et puis tout simplement d'être certain. À mon sens, il faut vraiment que la communication se fasse entre toi et le voyageur de plus en plus, qu'on revienne quand même plus par rapport à ça quand il y a des doutes, parce que, encore une fois, ça va renforcer la relation et ça va faire que derrière, tu vas avoir que des bonnes notations. Et l'idée, c'est de pouvoir aller chercher de nouvelles réservations à travers ces voyageurs. C'est des voyageurs qui vont revenir, certaines des entreprises qui d'ailleurs vont t'appeler et qui vont dire « oui, on a eu une très bonne expérience avec vous, c'est vrai que vous êtes très réactif, vous êtes plutôt arrangeant et tout. Écoutez, nous, c'est vrai qu'on a besoin de logement. » Et ça, c'est ce que je te dis là, c'est pas du blabla, c'est la vérité, c'est ce qui se passe au quotidien. Donc, et je ne dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que je connais tout ça par cœur, c'est juste que même moi, tout ça, je me les impose, ces tips-là, parce que c'est ceux qui vont faire la différence par rapport à tes petits concurrents pour cette année 2021-2022. On a terminé, donc n'hésite pas à commenter.
N'hésite pas à me dire dans les différents tips que je t'ai pu livrer, s'il y a des choses que j'ai oubliées ou tu n'es pas forcément d'accord, bah, n'hésite pas à le préciser dans la partie commentaire parce que ça fera partie des choses qui, à mon sens, vont participer à l'évolution de cette chaîne et aussi aider la communauté. N'hésite pas à la partager aussi, bien évidemment, cette vidéo, à la liker, à t'abonner. Bon, ça, on l'a déjà vu. Voilà, donc du coup, eh bien, on a terminé. Tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao!